Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. J'ai été surpris, comme beaucoup de Congolais, qu'on libère M. Vital Kamerhe. D'abord, au départ du procès Kamerhe, ceux qui ont l'habitude de suivre CPL Télévision vont se rendre certainement compte que j'étais parmi les gens qui estimaient que c'était un procès, c'était du droit, et que c'était un bon signal que M. Tshisekedi voulait lancer parce qu'il s'est quand même fait élire et il est en train d'asseoir sa gouvernance sur la louange de la lutte contre la corruption. Voir dans ces pays qu'un homme haut placé, allié du président de la République, son directeur de cabinet en fonction, se faire arrêter pour les questions liées à la corruption, moi j'avais applaudi à l'époque et j'estimais qu'il y avait quelques éléments qui étaient justement. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, quand M. Kamerhe est allé en prison, à un moment donné, je commençais à trouver que c'était de l'acharnement. Pourquoi? Parce que je ne m'expliquais pas que M. Kamerhe soit condamné pour une affaire de détournement des deniers publics dans l'affaire Son Jour. L'affaire Son Jour, quand vous les prenez totalement, c'est une affaire dans laquelle le régime de M. Tshisekedi a sorti plus de 400 millions de dollars américains dans un projet extra-budgétaire des comptes du trésor public. Cette affaire avait plusieurs facettes. Il y avait les routes, il y avait le port, il y avait l'électricité, il y avait les écoles qui devaient être construites, mais on prend seulement les volets de la maison préfabriquée avec 57 millions de M. Vital Kamerhe, on le condamne. Je me disais, si vraiment la République était neutre, si le pays, la justice, voulait tirer les choses au clair par rapport à la gestion de l'affaire Son Jour, il fallait absolument qu'on nous dise aussi qu'est-ce qu'on a fait du reste de l'argent. Parce qu'au-delà de tout, cette affaire, c'est 400 millions, un peu plus de 400 millions de dollars américains. Vous condamnez Kamerhe pour 57 millions dans le volet maison préfabriquée, mais le reste est de l'argent. Je ne dis pas que ça a été détourné. Si effectivement l'argent sorti du trésor public a été investi pour effectivement remplir la mission pour laquelle elle a été sortie, je voudrais savoir. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, personne n'est capable de nous dire voici ce qu'a été le projet Son Jour, on a sorti 400 millions, 57 millions Kamerhe a été condamné pour ça, voici ce qui reste, on a construit ça avec autant. Donc il y a un flou autour de ça. Je me disais, ça commençait à prendre les allures d'un acharnement. Parce que si ce n'était pas un acharnement, vous les condamnez pour 57 millions, dites tout ce que vous faites du reste. Premier élément. Deuxième élément, je commençais aussi à devenir dubitatif par rapport à ça. Lorsque j'ai vu certaines personnes condamnées dans la même affaire, je parle par exemple du DG des Sokok, M. Makabouza, qui lui a été condamné aussi dans l'affaire Son Jour avec M. Kamerhe. Je parle du DG de l'OVD, Office de Voirie et Drainage, M. Benjamin Wenga, condamné dans l'affaire du projet Son Jour. Eux, ils sont allés en prison, ils ont été condamnés à 5 ans, 3 ans en première instance, 5 ans en deuxième instance. Après une année ou moins d'une année, le président de la République a signé une grâce présidentielle et ces deux personnes-là sont sorties. Les jours où ces deux-là sont sortis, j'ai carrément changé de fusil d'épaule pour dire, alors si Kamerhe reste en prison, ça devient une affaire personnelle, ça devient une affaire d'acharnement. Et je l'ai dit dans toutes mes émissions. Donc, que M. Kamerhe
sortent en prison, sortent de la prison, j'ai dit que c'est logique. Logique pourquoi? Parce que Camer aurait détourné 57 millions de dollars, oui, d'accord, mais où est le reste de l'argent? Camer a été condamné, pourquoi les autres sont sortis? Monsieur Thierry Tillmans, par qui l'homme des Robank, par où tout l'argent est sorti? Lui, il a été arrêté, après il a été libéré. Monsieur le constructeur qui devait faire. C'est-à-dire il y avait quand même une cacophonie, un flou autour de ça. Donc, ces flous-là donnaient l'impression que Camer était là, non pas pour des raisons juridiques, non pas pour des raisons judiciaires, mais pour des raisons politiques. Parce que si ce n'était pas politique, on ne s'expliquerait pas que les uns sortent et que M. Camer reste en prison. Qu'ils aient décidé aujourd'hui de les libérer, je pense que pour moi, c'est logique. Camer gagne, mais c'est la République qui perd. La République perd dans la mesure où on ne saura jamais ce qui s'est passé exactement. La République perd parce que vous avez un président de la République qui s'est fait passer pour le chantre de la lutte contre la corruption, mais qui signe des grâces présidentielles sur des personnes condamnées pour détournement. Et vous pensez qu'en le faisant, il revient sur ses dires, donc il fait le contraire de ce qu'il dit. Donc il lutte contre la corruption, mais entre-temps, il signe des grâces présidentielles pour ces mêmes personnes qui ont été condamnées. Non, mais le problème avec nos amis de l'UDPS, le problème aussi à un moment donné avec ce régime, ça, d'ailleurs, j'ai lancé un appel, il faut qu'ils travaillent là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a plus de proclamations que d'actions. On est choisi, on est élu sur base d'un programme, et ce programme-là, lorsqu'on arrive au pouvoir, on les matérialise par les actions que l'on pose. Je ne peux pas, moi, m'expliquer que l'on soit chantre de la bonne gouvernance, que l'on dise que moi, je viens pour lutter contre la corruption, qu'une fois au pouvoir, on donne des grâces présidentielles aux personnes condamnées pour détournement. C'est dire une chose et son contraire. Soit on fait de la lutte contre la corruption, soit on favorise la corruption. Quand on se présente comme champion de la lutte contre la corruption, on pose des actions qui démontrent sa volonté et sa détermination à lutter effectivement contre la corruption. Si véritablement l'action gouvernementale, la gestion de l'UDPS était basée sur la lutte contre la corruption, et Teddy Longondo, qui est cité dans une affaire de détournement des fonds Covid, ne serait pas dehors aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait dehors, l'ancien ministre de la Santé? Si effectivement l'UDPS avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, comme ils sont en train de le dire, monsieur Benjamin Ouimba ne serait pas dehors. Parce qu'il a été condamné dans une affaire de détournement et de corruption. Monsieur Makabouza ne sera pas dehors. Monsieur Willy Bakonga ne serait pas dehors parce qu'on sait qu'il y a aussi des soupçons qui pèsent sur lui dans cette affaire de détournement des fonds de la gratuité. Donc, les actions que l'on pose sont aux antipodes des déclarations. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. L'UDPS doit choisir l'angle sur lequel elle veut gouverner la République. Et s'ils veulent vraiment faire la lutte contre la corruption, leur cheval de bataille, ça n'a rien des proclamations ou des déclarations. Les faits, les actions sur le terrain nous démontrent le contraire. Mais hier, nos partisans de l'UDPS se sont manifestés. Ils n'étaient pas contents de voir M. Vital Kamerhe sortir de prison. Non, mais qu'est-ce qu'un combattant des 12e rue, les manifestations des combattants, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Quand des hommes condamnés pour corruption, quand des hommes condamnés pour détournement sont libérés de la prison, non pas parce que la justice a décidé, mais parce qu'ils sont bénéficiaires des grâces présidentielles, ils n'ont qu'à s'apprendre au président de la République, qui est par-dessus tout l'ancien président de l'UDPS. Ils n'ont qu'à s'apprendre aux autorités de leur parti, qui font le contraire de ce qu'ils sont en train de proclamer. On ne peut pas proclamer la lutte contre la corruption et signer les grâces présidentielles pour libérer les personnes condamnées pour corruption. On ne peut pas être chantre de la lutte contre le détournement et signer les grâces présidentielles pour libérer les personnes condamnées pour détournement. C'est dire une chose, c'est son contraire. Ils peuvent manifester, mais le vrai problème, s'ils veulent manifester, qu'ils manifestent chez eux à l'UDPS ou qu'ils aillent manifester à la cité de l'Union africaine, parce que c'est là que se trouve le président de la République. Et le président de la République est un fils UDPS qui signe ses ordonnances présidentielles, des grâces présidentielles, pour libérer les détourneurs et des gens condamnés pour ces faits décriés. C'est le président de la République. S'ils ont des réclamations, qu'ils aillent le faire au président de la République, au lieu de descendre dans la rue, qu'ils aillent manifester, par exemple, devant la cité de l'Union africaine. Et pensez-vous qu'après la libération de M. Vital Kamerhe, il pourra revenir à ses postes de directeur Tout est possible, nous sommes en politique. On dit
en politique et les hommes politiques ne meurent pas. En politique, on ne meurt jamais. Politiquement, j'ai comme l'impression que le président Tshisekedi a sorti Vital Kamerhe parce que sur le plan des alliances, le président se sent un peu asphyxié. À l'heure où nous parlons, sur le plan politique interne, M. Tshisekedi n'a plus d'alliés de poids. M. Tshisekedi n'a plus d'alliés de poids. Pourquoi? Parce que l'UDPS a démontré à la face du monde qu'il ne faut jamais compter sur elle en termes d'alliance politique. Il ne respecte jamais rien. Tenez, madame, ils vont à Genève, ils signent avec Martin Fayoulou, le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'époque, il nous dit, au sortir de la rencontre, qu'aujourd'hui, les changements au Congo s'appellent Martin Fayoulou. 24 heures après, ils nous disent la base et ils se retirent de cette affaire-là. Ils prennent M. Kamerhe, ils vont avec Kamerhe au Kenya, ils créent leur histoire des caches. Je deviens président de la République aujourd'hui, en 2023, ça sera 3. On rentre avec Kamerhe, on crée le problème des 100 jours, Kamerhe est envoyé en prison. Ils vont en Mouela Lodge, ils signent un accord avec Kabila, accord de gouvernance. Après, ils reviennent, ils nous disent Kabila m'a bloqué, Kabila m'a bloqué. À l'heure où nous parlons, ils se sont séparés de Kabila. Mais c'est un problème de loyauté. Mais exactement, c'est un problème de respect des engagements. Ils signent avec M. Katumbi. Parce que rappelez-vous, quand le président de la République lance les consultations nationales, si Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba n'arrivent pas à ces consultations, ça allait être un fiasco. Katumbi et Bemba ont crédibilisé les consultations lancées par le président Tshisekedi. Ils arrivent, ils donnent des béquilles au président de la République qui était essoufflé par son allié Kabila, qui lançait un appel au secours en disant « Kabila me bloque, on me manque du respect, on m'humilie, Katumbi vient, Bemba vient ». Ils aident le président de la République à se débarrasser de Kabila. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Union sacrée, Katumbi reste l'homme à abattre. Donc du coup, le président de la République et l'UDPS donnent l'impression que sur le plan des accords politiques, il faut faire très attention avec eux quand on mange avec eux. Parce qu'ils ne respectent jamais rien. Alors le président de la République, à l'heure où nous parlons, quand vous regardez l'environnement politique à l'interne, il n'a plus d'alliés sérieux. Or, tout commence à faire croire que l'UDPS ou le régime a besoin d'obtenir un glissement avant les élections de 2023. Ça sera peut-être un miracle parce que vous savez, nous sommes déjà en 2020. Ils n'ont lancé aucune opération sur le plan électoral. La loi électorale n'est pas encore votée au Parlement. Le recensement n'a pas encore commencé. Rien, rien. Donc si on doit avoir les élections en 2023, nous sommes déjà en retard par rapport au calendrier selon les experts. Tout porte à croire que l'UDPS commence à se rendre compte qu'il va peut-être être difficile de pouvoir organiser les élections en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont probablement négocier un glissement. Pour avoir ce glissement-là, il faut avoir des alliés. Ils ont des problèmes avec Jean-Pierre Bemba, plutôt avec Moïse Katumbi. Ils ont des problèmes avec Martin Fayoulou. Ils ont des problèmes avec Kabila. Ils ont gâché les relations avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller sortir Vital Kamerhe pour lui donner un certain... lui montrer que non, monsieur, tu es en prison. Nous, à un moment donné, on peut l'utiliser comme une zone tampon. Parce que Vital Kamerhe, c'est quand même un politicien de poids qui est capable de jongler, qui est capable de vous sortir quelques résultats politiques. Donc, politiquement, ils peuvent jouer sur ça. Mais la sortie des caméras sur le plan politique peut créer d'autres problèmes. Le problème, par exemple, des Bahatis Kouébo, qui est de l'Est comme M. Kamerhe, qui est du Sud qui vous comme Kamerhe. Aujourd'hui, politiquement, Kamerhe est en prison, Kamerhe est anéanti. Ça faisait plaisir à Bahatis Kouébo parce que lui s'affichait dans la peau de colonne de l'Union sacrée. Lui s'affichait dans la peau de la voix de M. Tshisekedi dans l'Est de la République. Quand vous sortez Kamerhe, vous le remettez sur le jeu, vous frustrez monsieur Bahati Kouébo. Donc, à un moment donné, ils veulent résoudre un problème en sortant Vital Kamerhe, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont en créer. Et en plus, est-ce que monsieur Kamerhe est-il au point de pardonner autant à son allié Tshisekedi, au point d'oublier les presque 2 ans en prison, loin de sa famille, loin de ceci? Je ne suis pas du tout naïf et je crois que Kamerhe, même s'il va donner l'impression de renouer avec M. Tshisekedi, mais désormais, ça sera avec méfiance, parce qu'il sait qu'il a fait confiance aveuglément à cet homme-là, ça l'a amené en prison. Il ressort à l'heure actuelle, Kamerhe n'est pas un petit enfant, il sait que le régime est un peu asphyxié sur le plan des alliés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me sortir. Il ressort un peu comme une pièce importante et une pièce intéressante. Kamerhe aura aussi sa carte à jouer. Donc, politiquement, il ne faut jamais... Il est un peu comme un bouée de sauvetage. Je peux le dire comme ça, oui, je peux le dire comme ça. Pas forcément un bruit de sauvetage, je ne veux pas dire que M. Tshisekedi est en train de s'ennuyer, de se noyer, mais sur le plan des alliances politiques, à l'heure où nous parlons politiquement, l'UDPS n'a plus un ami, un allié d'État sur la scène politique. Ça, il faut qu'on se le dise. On sait que l'Est, plutôt le Sud, le Katanga est contrôlé aujourd'hui par M. Moïse Katumbi. On sait que du côté de l'Ouest, vous avez Kinshasa, le Congo central et les Bandundu,
Là, il ne faut rien faire. Martin Fayoulou le contrôle là-bas. Vous avez l'Est de la République. Bah, tu peux donner l'impression que c'est une place de réchange, mais on a quand même besoin de contrôler cette partie-là avec M. Vital Kamerhe. Lui-même, c'est l'homme du centre. On sait que dans le Kassai, le président de la République n'a rien fait, que le bilan de ce régime dans le Kassai, c'est vraiment chaotique. C'est-à-dire, les Kassaïens qui ont soutenu aveuglément l'IDPS aujourd'hui commencent à se poser des questions. Parce que le Kassai a tout donné au président Tshisekedi, le Kassai a tout donné à l'UDPS, mais le mandat de l'UDPS à la tête de la République démontre que le Kassai n'est pas gagnant. Donc, l'ancrage politique, les assurances qu'avait l'UDPS hier, avant qu'il ne soit au pouvoir dans le Kassai, ils ne l'ont plus aujourd'hui. Donc, quand vous prenez cette cartographie-là, vous allez vous rendre compte que le président Tshisekedi voit de plus en plus ses chances de remplir et même d'avoir son glissement, c'est réduire. Du coup, il faut aller ressusciter même ce qu'on avait déjà oublié et qu'on a tenté d'envoyer dans les oubliettes pour avoir un second souffle. Mais c'est des calculs politiques qui, à mon point de vue, ne garantissent absolument rien par rapport aux gens qui ont décidé de sortir de la caméra de la ville. D'accord, M. Perrault-Loirat, vous pensez que la sortie de M. Vital Kamerhe de prison pourrait fragiliser le gouvernement Sama? Non, non, je ne crois pas. Parce que j'ai également vu, j'ai également entendu que beaucoup de des gens de l'UNC dire que Kamerhe est sorti de la prison, il faut revenir vers les accords FCC, plutôt les accords cash, parce que quand vous lisez ces accords-là, il était clair, le président Tshisekedi ici, le président de la République, il donnera la primature à M. Vital Kamerhe. Les choses ne se sont pas faites comme ça, parce que le cash n'avait pas gagné les élections législatives. Mais fragiliser ça, on le connaît, je ne crois pas. J'ai comme l'impression que ceux qui pensent que M. Kamerhe doit occuper aujourd'hui la primature sont en train de rêver. C'est une rêverie. Dans la mesure où la configuration politique est totalement différente. Kamerhe sort dans un contexte où vous avez un parlement qui a été, je veux dire, récupéré de manière peu orthodoxe par M. Tshisekedi. Mais ce parlement-là a ses têtes d'affiche. Aujourd'hui, quand vous regardez la majorité composite, qui assoit la gouvernance de M. Tshisekedi, vous avez les transfuges du FCC qui sont à plus de 200 pratiquement. Ils sont aux alentours des 200. Ces députés-là sont à près de 200. Quelle explication vous allez leur donner pour leur expliquer qu'on doit donner la primature à M. Kamerhe? Je ne crois pas. Et puis, à côté, vous avez un certain Badi Loubemo, qui lui aussi a un poids politique au niveau du Parlement. On lui donnera quelle explication pour justifier le fait qu'on doit donner la primature à Kamerhe? Dans l'hypothèse où Kamerhe est sorti parce qu'il faut négocier un glissement. Lui, on l'appelle pacificateur. Il peut rentrer, il peut jongler. Si effectivement nous en sommes à ce niveau-là, les gens qui sont de notre côté, notamment les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi et les autres, s'ils doivent accompagner le président Tshisekedi dans son glissement, quelle sera la pièce de réchange? Tout le monde va l'ornier sur la primature. Donc, dire que Kamerhe va quitter Sama Lukonde, je ne crois pas. Mais je crois que Kamerhe aura un rôle important à jouer sur la scène politique parce qu'à partir de 2022, je crois qu'il y aura... on va rentrer vers les turbulences parce que c'est une année, en principe, qui est une année préélectorale. On doit avoir à ce côté un fin négociateur, un fin politique comme M. Vital Kamerhe. Il sera un atout majeur aux côtés de Félix Tshisekedi. Et allons du côté de ce qui se passe, ce qui s'est passé, la scène qui s'est passée à l'Assemblée nationale entre le président Bosso et le député Délis Essanga. Il y a eu des insultes qui se sont balancées. Est-ce que vous pensez vraiment que cela honore les dirigeants de notre pays? J'ai été très déçu, moi, de voir ce qui s'est passé. Mais le problème, ma déception était à son comble lorsque j'ai lu un peu la psychologie des acteurs responsables de cette situation-là. Vous avez un papy qui s'appelle Christophe Mbosso. Mbosso a presque 80 ans. Mais quand vous regardez le comportement de M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que l'homme a décidé de ne pas se mettre à son niveau du président de l'Assemblée nationale. Il refuse étonnamment de prendre de la hauteur et de se comporter comme un président d'une grande institution comme l'Assemblée nationale. Mbosso, par la magie du hasard, se retrouvait au soir de sa vie président de l'Assemblée nationale. Il veut donner pression au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que monsieur, tu n'as pas fait l'erreur de me choisir. Ici, Mbosso se comporte comme un soldat, comme un chien de garde pour protéger les intérêts de l'Union sacrée du président de la République. Revenons à cet incident. Monsieur Délis Essanga vous dit, pendant la plénière portant reddition des comptes, il a été clairement démontré que les institutions, notamment l'exécutif,
ne respecte pas la loi financière, ne respecte pas la répartition des lignes budgétaires. On vous dit, messieurs, votre ligne budgétaire, c'est 100 dollars. Respectez la ligne budgétaire parce qu'il s'agit d'une loi des finances. Mais on assiste à des actes de barbarie économique. Parce que les gens sont dans des dépassements budgétaires. Et Deli Sessanga a utilisé les mots qu'il faille. Il a dit qu'il s'agissait d'une délinquance économique. Et c'est le mot qui a choqué. C'est le mot qui a déclenché ces insultes. Non, mais les mots a choqué parce que Mbosso n'a pas compris ça. Il parle français. Je ne veux pas dire ici que M. Mbosso a quelques petits soucis de français, mais non, pas du tout. M. Deli Sessanga a dit qu'il s'agissait d'une délinquance financière. En réalité, la délinquance, c'est quoi? La délinquance, c'est un comportement hors la loi. La délinquance, c'est un comportement hors la ligne, hors les principes. On vous dit, madame, vous devez faire ça. Vous devez vous habiller comme ça. Quand vous ne respectez pas les principes qui ont été établis, vous êtes un délinquant. Lorsqu'il parle de la délinquance, M. Deli Sessanga n'a pas du tout parlé des individus. Il a fustigé un comportement. Ce comportement qui consiste à ne pas respecter la loi des finances. Ce comportement qui consiste à ne pas respecter les lignes budgétaires telles qu'élaborées dans la loi des finances. Ce comportement-là est un comportement de délinquant. Je lui donne raison. Il n'a pas dit que Mme Nyota était un délinquant, non. Il n'a pas dit que M. Samaloukonde était un délinquant, non. Il n'a pas cité des individus, il a parlé d'un comportement. Le comportement, le non-respect des règles est un comportement de délinquance. Il a totalement raison. Mais le problème, c'est que vous avez en face de vous un Mbosso qui oublie qu'il est président de l'Assemblée nationale, qui croit qu'à la tête de ce perchoir-là, lui doit jouer le rôle de chef de garde de l'Union sacrée. Il a des choses à prouver, à montrer à ceux qui l'ont placé là-bas, que je vous défends, que je ne le sais pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris de la Swabana, non? Ah, mais si on doit vraiment voir la République en termes de Mbosso Swabana, alors moi je suis très malheureux. Je suis très malheureux. À 80 ans, on ne se comportait pas comme Mbosso est en train de le faire. À 80 ans, on a son histoire, sa vie derrière soi. À 80 ans, on travaille pour ses petits-enfants. On a déjà fait des erreurs, on a déjà amassé. Mbosso était au comité central avec Mobutu. Mbosso était ministre. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila, il a travaillé avec Kabila Joseph. Mbosso, c'est pas. Non! Mbosso, c'est pas quelqu'un qui manque le malaise de ses enfants. C'est tout simplement, à mon point de vue, de l'inconscience collective que nous avons, nous tous ici, dans ce pays, à croire que lorsqu'on occupe des fonctions, c'est pour les malaises Swabana. Non! Nous devons occuper des fonctions, non pas pour se servir, mais pour servir. Ce pays a besoin des gens capables de se sacrifier. Si c'est vraiment ça l'idée, si l'idée c'était de demander son banal, alors je me dis mon pays n'a pas de chance. Avoir à la tête d'une grande institution comme l'Assemblée nationale, un papy qui en principe devrait faire étalage de sa sagesse issue de son âge, et il est là, il explique des choses comme vous l'expliquez pas mal, demander son banal, je suis l'homme le plus déçu de la planète. Ah mais vous trouverez des personnes comme ça un peu partout, parce que la plupart des gens essayent de... comment dire, de garder ce qu'ils ont. Donc, là où ils savent qu'il y a 100 francs qui sortent de là, ils essayent de comment on les appelle, les lèches-bottes. Non, mais c'est ça le malheur que nous avons. Nous avons des autorités qui ne viennent pas pour changer les choses. Vous savez que la révolution, le changement d'un pays, des mentalités ne demande pas qu'on ait à la tête des centaines. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en 94, je sais que vous fréquentez l'Est de la République. En 1994, le Rwanda a connu un sérieux problème de génocide après la mort du président Habyarimana. Est-ce que vous rappelez que 800 000 Rwandais pour une population estimée à moins de 3 millions? C'est-à-dire que nous, là, on prend le pays, on tue le tiers des habitants à l'intérieur. C'était un village. Plus de 20 ans aujourd'hui, passez là-bas pour voir ce que le Rwanda devient aujourd'hui. C'est à cause d'un homme. Vous pouvez tout dire. Aujourd'hui, Paul Kagame, c'est une fierté pour son pays. Le Congo a besoin de ces leaderships-là éclairés. Un homme, deux personnes, trois personnes peuvent changer ce pays. Le problème, c'est que nous devons avoir des leaders capables de taper du poing sur la table pour dire assez. Nous devons avoir un leadership fort et éclairé. Le Congo souffre d'un problème. Le Congo souffre d'un problème de leadership. Nous n'avons pas encore des dirigeants capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de Mandé Sorbana, comme vous le dites. Si vous pensez que tout le monde doit faire ça, c'est que nous avons encore un bon leadership. Parce que Paul Kagame lui-même a réussi à remettre le Rwanda dans le rail. Si on avait aussi un bon leadership dans ce pays, je pense qu'en 5 ans, en 10 ans, si on ne change pas tout comme dans une baguette magique, mais on peut quand même sentir que le train qui était déraillé commence petit à petit à rentrer sur le rail. Malheureusement, on n'a pas encore cette impression dans ce pays. Et c'est à cause de cet échange qu'il y a eu entre le président Mbosso et l'honorable Deli Sessanga qui a eu interdiction de marche...
du parti de M. Denis Sessanga, en fait, au niveau de Camp Luka. Oui, c'est l'explication que M. Ngobila a donnée. Vous savez que moi, je ne crois pas trop en Ngobila. Je pense que la ville de Kinshasa ne mérite pas d'avoir un gouverneur comme Jatilé Ngobila, parce qu'en termes de bilan, en termes de travail, je trouve que Ngobila n'est pas à la hauteur de ses fonctions. Ngobila, c'est un peu à l'image de ce qu'a été le régime de Kabila, un régime qui récompensait les personnes qui n'étaient pas à la hauteur. Parce que je ne m'expliquais pas que Kabila fasse de Ngobila gouverneur de la province de Maïdombe. Ngobila quitte Maïdombe, il n'arrive même pas à construire un mètre. Ngobila a passé tout son temps à Kinshasa, on est resté dans sa province. Comment on peut prendre un homme qui a échoué comme gouverneur de la province de Maïdombe et venir lui donner une ville cosmopolite comme Kinshasa? Donc c'était à l'image de Kabila. Mais que Ngobila décide de suspendre le meeting de M. Sessanga, il peut avoir raison. Pourquoi? Parce que bon, quand on gouverne, c'est aussi... Est-ce que cela a un sens? Quel est le rapport entre la marche et... Non mais il a dit que, il a dit que quand Luka, qu'on présente aujourd'hui comme la base de M. Mbosso, il y avait des informations sur lesquelles des groupes, des pro-Mbosso allaient s'attaquer au meeting de M. Denis Sessanga. Si les informations étaient vraies, si c'était sûr, et que pour préserver la vie des Congolais, Gentilé Ngobila a décidé de suspendre la marche. Pour une fois, je le soutiens. Au jour où le meeting, je le soutiens. Parce que la vie humaine est plus importante que ce match-là. Ce n'est pas seulement ici, hein, vous regardez dans d'autres pays aussi. Il y a des grands événements qu'on interdit parce qu'on a des informations qui auraient des troubles à l'ordre public. Quand un gouvernement a des informations sérieuses, qu'il fait le point sur ces informations et qu'il y a un risque... Des troubles à l'ordre public, il y a un risque, il y a des pertes en vie humaine. Je trouve que c'est vraiment responsable de prendre la décision de ne pas le faire. Pour une fois, je suis d'accord avec Gentilé Ngobila. S'il a dit que les motifs, les mobiles pour lesquels il a interdit le meeting de M. Denis Sessanga était vrai, si c'était vraiment ça et qu'il avait des informations sur la menace des troubles à l'ordre public, il a raison. C'est gouverner, c'est prévoir. Il a prévenu. Donc, je suis totalement d'accord avec lui sur ce point-là. Et Monsieur Perrault, tout en restant sur le dossier de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, vous êtes en train je pourrais dire que vous êtes en train de taquiner Monsieur Mbosso en disant que vous êtes très déçu par son comportement. Mais pensez-vous que Monsieur Denis Sessanga avait raison de vous traiter d'ouvrier? Quand on voit cette affaire-là dans la facette de l'Africain, du bon trou. Je dis non, parce que Mbosso a quand même l'âge de son père. Quand on a mis ça dans la morale, dans la morale de l'Africain, je dis que Mbosso, Denis Sessanga, n'avait pas raison de le faire. Mais quand on ramène l'affaire dans une sorte de dialectique politique, quand on fait appel à Larousse ou à Maurice Grévis, je veux dire, je pense que Denis Sessanga a raison. Pour moi, être voyou, c'est être mal éduqué. Pour moi, être voyou, c'est afficher un comportement indigne. Et lorsqu'on vous dit que ce que vous faites est une délinquance, pour moi, la délinquance, c'est un comportement en marge de la loi. Moi, je pense que le civisme amènerait tout le monde à être contre les individus qui sont en marge de la loi. Parce que la société s'est construite sur base des principes, sur base des frontières, des limites que nous devons nous mettre nous tous. Sinon, ça sera la jungle, ça sera une sorte de Far West où on ne respecte rien. Quand quelqu'un est en marge de la loi et qu'on vous dit que cet homme-là est délinquant, vous venez à sa rescousse, le comportement affiché, le soutien que vous l'apportez, j'appellerai ce comportement-là un comportement de voyou. Je suis totalement d'accord avec lui. Quand on amène l'affaire dans une sorte de dialectique politique, Le soutien qu'on apporte à un délinquant, la rescousse qu'on amène à quelqu'un qui affiche un comportement de délinquance, je ne parle pas de l'individu, je parle du comportement. Ce comportement-là est un comportement voyou. C'est un comportement voyou. C'est un comportement qui est en marge des règles. Et sur ce plan-là, j'ai dit que dans ce qu'il disait sur la délinquance, que dans ce qu'il a dit sur le comportement voyou, Denis Sessanga a raison. Mais là, quand on veut amener l'affaire sur un terrain de la morale, sur un terrain des principes africains, sur un terrain des bantous, on peut dire qu'un homme qui a l'âge de son père, on ne le traite pas de voyou. Mais on n'était pas sur un terrain de la morale. On n'était pas sur un terrain de nos origines. Non, on était sur un terrain politique. Et M. Denis Sessanga avait raison de condamner et d'estimer que le comportement qu'affiché M. Mbosso était un comportement voyou. D'accord, Monsieur Perrault Louara. Nous allons attaquer un dernier point, le tout dernier, avant de clôturer cette émission.
Nous allons parler de la présence des troupes ougandaises dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que cela démontre la capacité de l'armée congolaise, des forces armées congolaises? Lorsqu'une armée est en guerre, il a besoin du soutien de toute sa population. Moi, d'emblée, ce qu'il faut noter ici, j'appelle mes téléspectateurs à avoir une bonne pensée et des prières pour notre armée. Nous sommes en guerre, effectivement. Nous sommes véritablement en guerre contre les ADF qui tuent, qui violent, qui massacrent chez nous. Deuxième élément, ceux qui nous dirigent ont peut-être plus d'informations que nous n'avons pas. Voyez-vous, on dit du président de la République qu'il est le Congolais le mieux informé de nous tous. Parce qu'il a des services de renseignement qui lui font rapport sur l'état de la nation chaque matin, qui lui expliquent véritablement des informations que nous, on n'a pas. Peut-être que lui, M. Tshisekedi, a des informations sur ce qui se passe et il a jugé, jaugé la situation sur le terrain. Il a estimé qu'il fallait que les Ougandais rentrent chez nous. Sur ce point-là, je pense qu'il faut lui donner les bénéfices des doutes. Et il faut leur donner du temps, je dirais, comme on dit en français, la fin justifie les moyens. Si les Ougandais, avec les FARDC, réussissaient à mettre fin à la menace ADF, je serais d'accord avec eux. Mais au-delà de ces événements qui, d'une certaine manière, plaident à la décharge de ce gouvernement et de ces décisions-là, n'oublions quand même pas que nous avons un passé tumultueux avec l'Ouganda. Il n'y a pas longtemps, l'Ouganda s'est fait une guerre sur notre sol avec le Rwandais. Il y a eu des dizaines de morts. Qui a oublié la guerre des six jours à Kisangani? Il n'y a pas longtemps, l'Ouganda a sur ses épaules un arrêt rendu en force de la chose jugée par la Cour internationale de justice qui condamne l'Ouganda à nous payer 10 milliards de dollars américains pour les dégâts commis lors de ses affrontements avec le Rwanda. Il n'y a pas longtemps ici, dans notre pays, nous avons vu que l'Ouganda était là. Madame, ça sera aujourd'hui inexplicable que de dire aux Congolais, un pyromane, parce que la plupart de nous considérons le Rwanda et l'Ouganda comme des pyromanes, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dédouaner le Rwanda et l'Ouganda de la situation catastrophique sur le plan sécuritaire dans notre pays, dans la situation de l'insécurité qu'il y a dans l'Est de la République, le Rwanda et l'Ouganda portent une grande responsabilité. Ils sont dedans. Ils ne peuvent pas nous dire que le Rwanda est innocent. On ne peut pas prendre un pyromane, quelqu'un qui vient chez vous, qui brûle votre maison, le lendemain il vient se présente comme un sapeur-pompier. Quand est-ce qu'il passe de la casquette des pyromanes aux casquettes des sapeurs-pompiers? Ça pose un problème au niveau de la psychologie des Congolais. Et puis, recevoir l'Ouganda chez nous, 6 mois après l'état de siège, ça veut dire que vous voulez donner l'impression ou vous voulez nous donner l'information que l'état de siège a échoué. Tout à fait. Parce que comment vous expliquez qu'ils nous disent que l'état de siège a des retombées, que les localités sont en train d'être récupérées, que les villages sont en train d'être récupérés et qu'en même temps qu'ils acceptent que l'Ouganda rentre chez nous? Mais messieurs, vous dites une chose et son contraire. Parce que l'état d'essai, 6 mois après, c'est un échec. La présence de l'Ouganda nous démontre que nous devons nous poser des questions sur l'efficacité de l'état des sièges, sur l'efficacité de notre armée, madame. Moi, je suis très mal à l'aise d'apprendre aujourd'hui qu'il y a l'armée ougandaise chez nous. Je suis très, très mal à l'aise parce que je ne comprends pas que nous prenions un pyromane, qu'on l'amène chez nous. Et en plus, n'oublions pas que l'Ouganda ne vient pas là pour nos beaux yeux. Est-ce que les intérêts des Ougandais sont convergents avec le nôtre? Nous voulons lutter contre les ADF Nalu. Est-ce que les Ougandais font pareil? Les Ougandais ne rentrent pas chez nous pour repousser à l'intérieur de nos frontières. Parce qu'à un moment donné, le Rwanda l'a fait lorsque Kabila a ouvert nos frontières avec l'opération Mojawetu. Ils sont rentrés chez nous, ils ont réussi à ne pas capturer les FDLR, mais ils ont réussi à les repousser à l'intérieur de nos pays, à éloigner la menace vers la frontière. L'Ouganda est rentré chez nous. Ils vont repousser peut-être les ADF à l'intérieur de nos frontières. Quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus des ADF sur la ligne des frontières, ils vont rentrer chez eux. Et en plus, si vous voulez avoir des bonnes solutions, il faut vous poser des bonnes questions. La meilleure question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est l'état de notre armée. Seuls les FARDC peuvent bien nous protéger. Aujourd'hui, nous ouvrons nos frontières parce que l'Ouganda a des problèmes avec les ADF. Mais nous avons aussi des problèmes avec les Mororo. Quand les Mororo vont commencer à nous tuer là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux Sud-Soudanais de rentrer chez nous. Nous avons des problèmes ici à la clave des Cabinda. Vous savez qu'il y a des rebelles au Cabinda qui attaquent l'Angola à un moment donné. Quand les Angolais vont se sentir en insécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos frontières pour que l'Angola rentre. Nous avons des problèmes à Tanganyika avec les Zambiens et des groupes de Bakata Katanga. Qu'est-ce qu'on fera? On va ouvrir les frontières pour que les Zambiens rentrent chez nous. Soyons un peu responsables. Ce n'est pas aux autres de régler nos problèmes. Il nous revient, nous, comme Congolais, de régler nos problèmes. Vous faites entrer les Ougandais parce que vous avez des problèmes à Beni. Et quand vous en aurez au Bas-Congo ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on en aura chez moi au Kassai, qu'est-ce qu'on va faire?
Le vrai problème, c'est que nous ne nous posons pas de vraies questions. Quand vous regardez les budgets qu'ils sont allés faire voter au Parlement, ils nous disent qu'ils ont augmenté les budgets à 10 milliards. Mais regardez la répartition des grilles budgétaires. Comment vous expliquez que vous ayez un budget où la présidence de la République a plus de 200 millions de dollars américains de dotations? Dans un pays qui est en guerre, qui est en plein état de siège, le budget là ne reflète pas notre volonté à mettre fin à la guerre. Quand vous lisez le tout dernier rapport que l'Assemblée nationale a publié sur l'état de siège, on vous dit qu'on a des problèmes d'argent, qu'on a des problèmes de logistique, qu'on a des problèmes d'effectifs. Mais les budgets qui sont allés déposer là-bas, ils ont multiplié leur salaire, ils ont multiplié les frais de fonctionnement. Oublions que dans le pays, nous avons des sérieux problèmes. Donc, je pense que nous, Congolais, nous ne sommes pas sérieux, qu'on n'aime pas sérieusement ce pays, que nous ne nous posons pas des vraies questions. Aussi longtemps qu'on ne se posera pas des bonnes questions, on n'aura pas des bonnes réponses et ça sera un cercle vicieux comme ça se passe actuellement. Merci beaucoup, monsieur CPL. Monsieur Claude Perron-Loira. J'espère que j'ai été à la hauteur pour ce premier numéro. Bon, on va demander à votre spectateur de pouvoir juger. Nous ferons des commentaires, on verra. On verra bien. Alors, très chers téléspectateurs, nous voici donc à la fin de cette émission. Et nous disons merci à monsieur Perron. Merci. Merci de nous avoir permis de concevoir cette émission. Okay. Alors, je vous dis à très prochainement. Et déjà, c'est déjà pour demain. Oui. Ouais, à demain. La boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.